Bonjour à tous, ici on se retrouve pour une petite vidéo de Minecraft. Alors là je vais partir sur un mode solo, il y aura bien sûr le mode multijoueur avec le serveur bien sûr des abonnés que je pense que je vais pas tarder à reprendre parce que je commence à être... il y a des passes, alors là, tout le monde a fait une petite pause parce qu'il y a les fêtes et tout, mais même un petit peu avant. Donc là on va partir sur un... Donc j'ai supprimé dessus donc un mode solo, alors j'ai absolument tout supprimé. Et on va partir sur l'hardcore, on va voir. Le but du jeu, bien sûr, c'est de tuer le dragon, mais on va peut-être plus y affinité. On verra, on va essayer de pas crever, déjà ça va être déjà pas mal. Donc on va partir sur la première vidéo, comme d'hab, une petite vingtaine de minutes, le temps de lancer la série. Et bien sûr, celle-là, par contre, je jouerai peut-être, mais vraiment extrêmement peu, en dehors des vidéos. Donc je jouerai le strict minimum, s'il faut que je plante, je sais pas, 20 graines et je vais faire mon petit champ, enfin pour survivre quand même, faut pas abuser. Mais voilà, donc je vais faire ça tout de suite, donc on va appeler mode hardcore. Et c'est parti, on va créer un nouveau monde. On va essayer de pas mourir déjà, ça va être... On va essayer surtout, le problème c'est que moi j'ai tout le temps peur à ce jeu, surtout que je vais miner. Donc on va essayer de faire une série qui durera le temps que ça durera. oula, j'apparais déjà dans une plaine, hein, c'est pas trop dégueulasse. Ah, il y a des champs pipiers aussi. Oh, les cœurs, ils ont des petits... Oh, on dirait, vous savez, des petits masques là de Spider-Man. Enfin, moi je vois ça, après, on dirait des yeux, quoi, on dirait... Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on dirait, mais on dirait, quoi. Alors, il y a des chevaux, il y a pas mal de trucs, il y a l'air d'avoir pas trop mal de choses. On va voir comment ça va se passer. On va d'abord ramasser du bois, bien sûr, on va essayer de vite se creuser un petit trou. Donc là, on est hardcore, je le rappelle. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Par contre, j'ai une méga plaine, ça c'est agréable, j'ai aussi une montagne. Oh, j'ai un peu... en proximité, j'ai du bois en pagaille parce que ça c'est en plus, ça c'est du beau bois en plus. Alors on va se faire déjà une table de craft, ça c'est une certitude. Alors je sais pas, peut-être on va tout le temps être tout en mouvement, je ne sais pas encore. Je pense que je vais me poser comme je fais d'habitude. Oula, déjà cette musique déjà me fait flipper déjà. Alors on va faire vite fait une pioche pour... faudrait trouver des moutons pour bien faire, mais bon. Bon, moi je passe 3 heures dans l'inventaire, hein, je suis pas non plus. On va récupérer ça. On va tuer les moutons. On va essayer de se faire un lit. Voilà, on va les tuer à l'ancienne. En plus, ça va faire de la bouffe parce que. Le truc, c'est que je sais pas comment on fait pour être un ultra-core. De base, je voulais être un ultra-core, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Hein. Alors, core, déjà, c'est pas mal. Ultra hardcore, je crois que tu peux mourir. Hein. C'est bien ça. Hein. Bon, il me manquerait une laine. Alors, le prochain mouton, il va être généreux. Vas-y, toi, t'es dégueulasse, t'es marron. Je t'en veux pas. L'Ender Dragon, je pense que je vais pas y arriver. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. Parce que moi, les Enderman, moi, je suis pas. Voilà. Bon, déjà, j'ai de la bouffe en plus. On va aller creuser. On a de quoi faire un lit. On n'a pas beaucoup de bois, mais bon. On va attendre gentiment, on va essayer de s'installer quelque part, faire sa petite maison, mais vraiment toute petite. Hein. Je sais que ce soit pas trop dégueulasse, je vais essayer de changer aussi mes constructions. Quoique sur le serveur des abonnés quand même que j'avais fait, j'ai fait quand même une belle maison. On ira faire un petit tour aussi. Non, en fait on n'ira pas faire un petit tour en fait. Alors, on va essayer de se faire déjà une petite cahute. Parce que je sens que ça va piquer. Alors, faudrait trouver du charbon. Par contre. On va essayer de trouver du charbon. Déjà, on va se faire quelques outils en pierre. Tout de suite. Déjà, hop. On va faire un truc, hop. On va se faire une pioche. Une hache. Merde. Et on va faire une pelle, je sais pas si ça sert à grand chose, mais on va faire une pelle. Bon.
Alors, on va essayer déjà, hop, 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 on va essayer de pas trop perdre trop de temps. J'ai dit, il me faudrait du charbon dans une montagne. Généralement, il y a du charbon, il doit y avoir du charbon quelque part. J'en vois pas. Si, j'en vois, j'en ai vu là-haut. On va aller voir. En plus, j'ai des cochons, je me suis pas fait d'épée, mais bon. Tant pis, on va taper la pioche. Hein. Alors, les gens qui disent que ça va plus vite avec un outil ou autre, si vous miner par exemple au début avec une hache de la terre, vous irez aussi vite qu'à la main. Hein. Donc au lieu de bouffer après bien sûr ça donne des dégâts. Ça va plus vite bien sûr avec une pioche que avec qu'à la main. Hein. Parce que là ça inflige des dégâts, c'est plus de dommages. Mais au mieux plus de dommages que donner déjà 6 coups de poing déjà. Ça va plus vite. J'aurais de quoi donc de faire un four. J'ai vu, oh, il y a du charbon là aussi. Je ne sais pas combien ça va donner, je vous dis, parce que je suis pas non plus un professionnel. Mais j'aime bien m'amuser, donc pourquoi pas. J'ai jamais fait ça en plus. Enfin, surtout en vidéo, j'ai jamais fait ça. Donc à mon avis, il y aura juste 4 ou 5 épisodes parce que je vais mourir après. Je vais mourir avant. Alors, on va essayer de chercher un peu de charbon. Oh, ça m'a gratté le coude. Alors, on va essayer de chercher un peu de charbon. Alors, en théorie, 10 minutes la nuit, 10 minutes le jour. Donc, on va essayer de passer la nuit. Ou alors, je pense que j'irai me coucher pour éviter que ce soit la nuit. Alors, surtout que j'ai de quoi faire un lit. J'ai bien démarré, ça va. On va essayer de finir quand même la pioche pour faire des fours. Non, je pense que je vais laisser la nuit passer. Parce que le temps que je fasse toutes les bricoles là au début, c'est un peu la merdaille. Il faudrait trouver du fer. Donc on ira chercher du fer pendant la nuit. Hop. Là, en plus ça fait un peu d'XP. Pas trop mal. On va aller encore couper du bois parce qu'apparemment on est juste à mi-journée. Ouais. Donc c'est pas trop mal. Oui, bah alors si je le casse à la main, j'en ai pour 10 jours. Voilà, déjà ça va un poil plus vite. Hein. C'est oui, beaucoup plus vite même. Donc c'est impeccable. Donc je pense pas que j'irai me faire un stuff full diam, ça. Je pense que je m'arrêterai tout connement au fer. Fer durabilité solidité 2 là, si on peut 1 ou 2 là, ça peut être dégueulasse. La protection 2, ça peut être pas mal. Alors creusons, creusons. Allez, on creuse. Encore du travail, j'y vais. Oui, si vous n'avez pas vu. Ouais, non, je joue avec les elfes de la nuit. La prochaine fois, promis, je jouerai avec les humains. J'ai horreur des humains, mais bon, on jouera aux humains pour que vous compreniez pourquoi je dis encore du travail, j'y vais. Voilà, c'est tout. Donc là, on va essayer de. Hop là, on va aller récupérer un peu de bois parce que je sais pas si j'en aurai assez. Allez, allez. Tout cas, ça fait plaisir. Merde. Voilà, là, j'en aurai quand même largement assez pour faire des torches. Ah. J'aime pas aller trop creuser en plus, mais bon, à un moment donné, quand il faut aller dans le nether et tout, dans le nether, je vais kiffer ça. Ça va être marrant. Ça peut être triste, moi je vous dis. T'as pas fait rire les campeurs. Alors. Alors, il est où le soleil? Le soleil. La nuit et le jour, j'attendrai. Bah ici, si on pouvait trouver un donjon sans mourir déjà, ça va être énorme. Et récupérer des sels vu que j'ai chevaux. Alors les chevaux, je ne me rappelle plus. Ah oui. Alors pour apprivoiser un cheval, en fait, c'est il faut que vous ayez rien dans la main. Donc là, est-ce qu'il y a des poneys? Parce que sur le serveur, je sais que j'ai trouvé des poneys. En fait, il vous faut rien. Parce que si vous avez quelque chose, par exemple, eh bien, comment on fait pour descendre? Si vous avez quelque chose, voilà ce qui se passe. Voilà. Et que si vous avez rien, vous pouvez y monter dessus. Bon, après, voilà. Après, il n'est pas content, il n'est pas content.
Mais bon, en gros, ça fonctionne. Et sur le poussin, on peut pas y monter là, sur le poussin. Le poulain. Donc, maintenant, on va aller. Oh, il n'y a pas du fer là. Oh, si, il y a du fer. Oh, nice. Te casse pas la gueule. Dépêche-toi, va faire nuit. Oh, yeah. Dépêche-toi. Et ne meurs pas. Meurs pas, meurs pas. Alors. Ça fait plaisir de rejoindre Minecraft. Peut-être, voilà, peut-être je. Le serveur il est toujours actif, hein, le serveur des abonnés. Faudra juste que je refasse donc un nouvel épisode, un épisode pour refaire la présentation du serveur des abonnés sur cette chaîne-là, parce que peut-être il y en a qui n'iront pas voir l'autre chaîne. J'ai dit que je venais chercher. Voilà, ah, mais il y a du fer ici aussi. Impeccable. Déjà, on pourra se faire une pioche. Ça va pas être dégueulasse. Alors là, les zombies, je crois qu'ils vont casser les portes par contre. Peut-être j'aurais la faire en fer. Voilà, ici, là, il y a masse de fer. Après, là, je vais aller m'enterrer. Ici, pourquoi je m'installerai pas là? Je suis une crevasse. Je vais aussi crever de faim. Ça va être moins marrant. Ah, il y a masse de fer! Ah, ben, je crois que là, on est plutôt bien parti quand même. Ouh, il commence à faire sombre. Je voudrais bien remonter maintenant. Allez, on va faire une technique chinoise qui consiste à empiler des blocs. C'est parti. Pourquoi chinoise? On nous appelait les petits chinois, il y a quelques années. Du bœuf cru. Ah non, c'est du mouton cru. C'est bon le mouton cru. Que c'est kiffant. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On a quelques côtelettes de porc. On va essayer de faire une petite. Ah, il est là-bas, montre. Ben, j'ai du charbon, j'ai du bois. J'ai absolument tout ce qu'il faut pour démarrer. Tranquillou. Donc, j'espère que. Voilà. J'espère que je vais pas trop crever trop, trop vite. Alors. Bon, aujourd'hui, bien sûr, et chaque épisode, il y aura un objectif à faire. L'objectif final, bien sûr, c'est de tuer, bien sûr, le boss. Ou peut-être le Wither Boss, apparemment c'est envisageable. Oui, mais la table de craft est là, donc on pourra vite fermer, mettre une porte. Et là il y a un creeper qui m'explose, et là c'est déjà la fin. Fin de l'épisode, fin de la série. Putain, si elle a pas commencé, oh merde. Allez hop, on va mettre une double porte. Hop là. Alors, on va déjà faire un four. On va même faire deux. C'est parce que ça consomme que. On va les mettre. Après, on fera. Ah, mais je peux faire déjà la cuisson automatique par contre. En théorie. Non, d'abord, faut mettre les fours. On va faire un petit système automatisé. Tout simple, tout con. On va mettre là. On va mettre les fours. Ouais, normalement c'est gros quand même. Bon, pour l'instant, on va faire le basique. On va mettre ça là. Ça, il faut que je bouffe, sinon déjà je vais avoir game over avant d'avoir commencé. Game over. Alors, on va essayer de faire une. Hop là. Ah non! C'est pas grave, on va faire ça. Oui, au final, ça ne changeait rien, mais bon. Alors, on va faire aussi un petit coffre pour démarrer. Ah, ça va faire bizarre de jouer un solo. D'habitude, j'envoie TVB au carnage, au charbon. Là, je ne vais pas l'envoyer vu qu'il n'est pas là. Déjà, sur le serveur des abonnés, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé TVB pour qu'il mène tous les monstres de chez moi. Parce que dessous, en fait, dessous ma maison, je crois que j'avais une vieille grotte. Et une vieille grotte dégueulasse. Oui, moi je suis taré, moi. Ça commence déjà, je commence à faire. Pardon, on a de la lumière. Ah oui, faut utiliser le charbon, merde. On va faire des torches pour ça. Il faut faire. Hop. 10 sticks. On va faire son lit aussi. On va faire plein de trucs. Par contre, on va essayer de éviter de gaspiller le charbon.
Si ça n'a pas fini de cuire, c'est pas trop grave. Alors, on va mettre le charbon, on va mettre la pierre. Alors, je sais pas comment je vais faire ça encore, je ne sais pas du tout. Déjà, on va bouffer. Alors, pour commencer, est-ce que la vie se régénère en hardcore? Oui, j'ai commencé à m'inquiéter, mais bon, sinon j'aurais fait des potions. Enfin, ça aurait été un peu le bordel pour moi, mais bon, ça va, la vie se régénère. Alors, on va essayer de se faire. On va commencer quand même par faire directement un petit plastron. Échec critique, c'était de l'autre côté. Hop là, avec ça, je pourrais faire une épée. Une épée. Ah non, une pioche. On va commencer par la pioche. Bien sûr, j'ai laissé mon bois là. Alors, on va faire hop. On va faire aussi des torches parce que j'ai pas fait de torches. Et on va faire le lit au passage. Tant que. Hop là. Alors. Voilà. Ensuite, on va faire. Non, la pioche, on a dit. La pioche, comme ça, déjà, on pourra ramasser tous les minerais du jeu. Sauf l'obsidienne, bien sûr. Là, ça, c'est fait. Ah, mais bien sûr, j'ai pas. Bien sûr, j'ai laissé le charbon pour faire les torches. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'inventaire pour faire des torches, hein, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, déjà, est-ce que si on fait ça? Yes, ça l'équipe automatiquement. Et bien sûr, on va poser une vieille torche dégueulasse ici. Hop, on va faire un 2 et on va faire un petit truc comme ça. Et on va poser son lit. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, combien il me reste de fer? J'ai de quoi faire. Ah non, des entonnoirs, c'est beaucoup plus que ça. C'est 5 de fer, les entonnoirs. Bon, on va pas faire un entonnoir. Je voulais faire un entonnoir, mais on va pas en faire. Alors, on va faire. Bah, du coup, on va faire. Avec ça, je crois qu'on peut se faire un casque. Impeccable. Et on va se faire une épée. Une épée. Et voilà. Bon. Alors, on va essayer de sortir déjà. On va essayer d'aller casser 2-3 monstres. On sait jamais pour aller récupérer. Il me faudrait tuer des araignées pour bien faire déjà, pour me faire un arc. On va essayer de faire ça pour le terminer l'épisode. On va essayer de trouver des araignées. Alors. Déjà, il y a des champignons, de la bouffe. On pourra se faire de la soupe. Mais bon, la soupe, ça sera plus rentable du pain parce que là, la soupe, je crois que ça remonte directement les cœurs. Alors, il n'y a pas un seul mob. C'est pas possible. Difficulté difficile. Ouais, c'est bizarre pourquoi il n'y a pas écrit hardcore. Mais bon, vous avez bien vu quand même que j'ai créé un hardcore et pas un facile. Il y a des creepers. Bon, faudrait des araignées pour bien faire. Bon, j'ai de la bouffe, là, je suis vraiment bien parti en plus. Il y a des squelettes, je m'en bats les roues. Ah, là. Là. Celle-là. Et aussi peut-être pour pêcher des araignées. Pêcher des araignées, des. Pour faire un peu de pêche. La pêche aussi, c'est plutôt rentable. On va essayer de trouver une autre araignée. Elle est où la lune? On est quasiment à la fin de l'épisode, donc, mais on va quand même terminer. On va essayer de choper nos 3 fils pour faire l'arc. Ah ben je crois que on pourra même le crafter. Ouais, c'est un peu con une araignée, mais bon. Et en plus on pourra. On ira peut-être se faire un donjon aquatique. Parce que donjon aquatique, au final, c'est très facile à faire. À tuer. On ira se faire tout ça. Parce que je crois que je ne l'ai pas filmé. Je l'ai jamais filmé le donjon aquatique. En plus en hardcore, déjà faut en trouver un. Hein. Alors déjà ça c'est pas gagné. J'espère qu'il y en aura. Donc on a de quoi déjà se faire son arc. On est déjà plutôt très très bien. On ira. Je pense que de toute façon je vais beaucoup bouger, donc je vais juste faire des petites ma petite maison là au début et on va voir comment ça va se passer après par la suite. Alors, le cochon par contre faut pas abuser.
Alors, la différence entre le cochon et le porc, si vous ne le savez pas, le porc, c'est qu'en fait, il est déjà mort. Le porc, c'est là, de base, c'est un cochon que je viens de tuer, c'est pas un porc. Le porc, c'est ce que vous avez au boucher, donc c'est qu'en fait, il est déjà mort. Voilà. Maintenant, vous le saviez, parce que vous disiez, le porc, non, le porc, il y a un porc qui passe à la télé, non, pas du tout. En fait, c'est un cochon, et le porc, c'est quand vous l'avez dans l'assiette ou à la boucherie. Voilà, alors déjà, on va fermer là quand même. C'est pas, j'aurai une double porte qui sert à rien, mais on s'en fout. Bon, on va crafter l'arc. Ça sera fait. Alors, pour l'arc, c'est. Oui, c'est comme ça. Échec critique, là, c'est comme ça. Si mis sur son bord, c'est bien comme ça qu'il faut faire un arc. La réponse est oui. Donc, voilà, bah écoutez, pour le premier épisode, ça sera déjà pas mal. Est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce que je vais faire des plantations ou pas? Non, j'ai pas mal de bidoches. Je vais tout simplement la faire chauffer. Je vais tout simplement finir de la faire cuire aussi. On va aller chercher, hop, on va prendre deux charbons. Alors, je me rappelle plus exactement combien ça fait cuire de blocs un charbon. Je l'ai su à un moment donné. Alors sachez que un bloc de charbon aussi, si vous le mettez dans le four, donc ça combustible, donc ça fonctionne. Ça ne vous fait pas perdre de charbon parce que ça fait cuire l'équivalent de 9 charbons. Autrement dit, je crois que c'est un stack et demi ou un stack, je m'en rappelle plus. Mais bon, en gros, il n'y a pas de perte. Donc voilà, je vais mettre ça à chauffer et puis ça sera la fin de l'épisode. Hop là! Impeccable. Donc on va tout ranger, tout ranger comme il faut. Comme moi, je suis très ordonné dans ce jeu. J'ai jamais le bordel sur moi, c'est pas vrai. Hop là, hop. Ça, j'ai pas besoin. Bon, après, bien sûr, il manquera des flèches, mais bon, on va se débrouiller, c'est pas un problème. Ça, hop, hop. Ouais, on va essayer de se faire un donjon. Non, ça, je vais le garder. On va essayer de se faire un donjon aquatique et tout le bazar. Je vais vous refaire seulement 2-3 pioches et pour le prochain épisode. Et puis voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé le premier épisode. Et là, c'est pas sur un lever de soleil. Le lever de soleil, il est là-bas. Donc, tant pis, vous verrez pas. Parce que s'il y a un creeper qui arrive et qui me fait je vais pas vraiment apprécier. Donc, sur ce, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ciao, ciao!